Bonjour, je suis Souleyman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des cheminots de la SNCF ayant été victimes de violences psychologiques, de leur du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Alors moi je vais me présenter, je suis Monsieur Bayon, vice-président du Conseil Général, maire adjoint de Sevran, et j'ai été chef d'établissement en Seine-Saint-Denis pendant 20 ans, et professeur pendant 20 ans. Donc je connais très très bien la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire que j'aime bien, j'y suis né, et je vis dans la culture monde avec des gens qui sont d'origine tout à fait différente et qui sont tous très riches d'intérêt. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité? Le racisme, c'est un fléau qu'il faut combattre, mais franchement, pied à pied. Faut pas, il peut s'insinuer, hein. On le voit dans des fois des réflexions. Hein. Moi, en tant que chef d'établissement, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà vu hein, dans mes établissements. Et je pense que là, il faut avoir aucune pitié pour les gens qui ont des propos racistes, et il faut maintenant, il y a une loi, il faut utiliser cette loi pour les traduire en justice. Vous disiez, vous avez déjà vu ou été témoin, vous avez un exemple à nous donner de type d'acte discriminatoire? Alors moi, je vais vous le dire, hein, j'ai un âge avancé maintenant, hein, mais déjà il y a 40 ans, quand j'étais avec mes amis, moi j'habitais à une cité, hein, la cité des Tilleuls à Blanc-Mesnil. J'avais des amis blacks, j'avais des amis beurre, hein, ou des amis qui étaient d'une couleur différente de la mienne. Déjà là, hein, ils étaient sans arrêt, je veux dire, agressés par la police. Hein, et déjà là, il y avait un délit de faciès. Hein, et j'ai déjà sorti dans des commissariats hein, des jeunes qui avaient été soumis à un délit de faciès. Voilà, en tant qu'élu. C'est tout à votre honneur. Pour revenir à ces membres de la SNCF, à ces cheminots, pour certains, ils ont des rapports du défenseur des droits en leur faveur. Il y a des inspecteurs du travail qui ont déposé des plaintes contre l'entreprise. Oui. Pour certains, ils ont même eu des condamnations prud'homales définitives en leur faveur. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Guillaume Pépi soit auditionné. Quel est votre sentiment là-dessus? Je trouve ça anormal. Je trouve ça anormal. Ils le savent. Hein. Je suis déjà intervenu, moi, à mon niveau. Hein. J'ai écrit à Guillaume Pépi, hein, justement, par rapport à cette situation. Hein. Je l'ai fait en tant qu'élu, en tant que conseiller général. Le maire l'a fait aussi. Hein, je trouve ça absolument scandaleux. Ça veut dire qu'effectivement, on met sous le boisseau hein, cette idée qui dérange. Et avez-vous une réponse à cette lettre que vous avez envoyée? Jamais. Jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. C'est bien ça qui me fait bondir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une véritable solidarité intercommunale qui se met en place, dont M. Guétignon fait partie. Il y a des motions de soutien qui sont votées au conseil municipal pour soutenir toutes ces victimes, notamment M. Yassine Zahraoui, mais tous les citoyens victimes de violences psychologiques. Que pensez-vous des actions de l'association aujourd'hui? Moi, je pense que c'est effectivement, quand on est solidaire, c'est très bien. Hein. Moi, je suis au Conseil Général, je suis responsable de toutes les pôles solidarité. Hein. Et je vais dans les territoires, hein, là où les territoires sont les plus abandonnés, et pour mettre en œuvre cette solidarité. Et j'aime bien votre t-shirt, parce que je pense que c'est avec la solidarité hein, qu'on peut faire reculer les concepts comme celui-là et comme le racisme. C'est hyper, hyper important de se rassembler tous. Ceci dit, il faut faire très attention. Actuellement, on est dans la crise. Hein. Les gens se replient sur eux-mêmes. On voit bien, par exemple, que Marine Le Pen, demain, pourrait être présidente de la République. Et ça, c'est quand même inquiétant. Hein. Donc, je crois qu'il y a un combat associatif et puis il y a un combat politique à mener. Hein, contre effectivement ce racisme latent qui est en train d'envahir notre société. Et quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour venir en aide entre guillemets à ces victimes et pouvoir collaborer avec notre association pour essayer d'optimiser l'efficacité à son maximum et faire vraiment reculer la violence par le biais de la solidarité? Alors, très clairement, moi je suis en charge de tous les publics RSA, par exemple, hein, de tout ce qui concerne, malheureusement ce sont des gens qui sont dans la grande détresse. Hein. Donc moi, c'est plutôt sur le volet social que j'interviens. Hein. Maintenant, sur le réseau associatif, on peut effectivement soutenir notre association, soit au niveau local, soit au niveau du Conseil Général. Pensez-vous que nous aurons l'opportunité d'avoir la solidarité du président du Conseil Général en l'immortalisant dans une vidéo comme vous le faites aujourd'hui? Je l'espère en tous les cas. Moi, en tous les cas, vous pouvez me compter auprès de vous et avec vous. Merci. Ça, je pense qu'il est inutile que je pose la dernière question parce que d'habitude, je dis que la violence recule là où la solidarité avance. On demande si vous
vous serez solidaire à l'avenir pour de futures démarches administratives et de futures mobilisations citoyennes pour venir en aide à ces victimes. Bien évidemment, moi je vais vous dire mon passé, 20 ans de chef d'établissement, dans des bahuts compliqués. En 20 ans, et j'en ai eu des histoires, j'ai été principal au Bodot, hein, donc vous voyez, j'ai des histoires de jeunes qui ont, mener quelques petits... des vies d'ados, quoi. J'ai toujours atténué leurs histoires. Maintenant, quand ils se marient, ils ont 30 ans, ils viennent frapper à ma porte pour que je les marie. Donc, c'est des jeunes qui sont d'origine totalement différente. Ils ont une richesse en eux, ils ont des fois des projets. Et je pense qu'il faut soutenir ces projets. Ce que je voulais dire aussi, c'est important, vous en parlez pas, mais il y a par exemple plein de jeunes... Moi, j'en vois des jeunes Africains, des jeunes des Comoriens, des jeunes communs, qui ont des projets, par exemple, sur l'économie sociale et solidaire, qui créent leur propre entreprise, qui créent leur propre emploi. Eh bien, au Conseil général, j'ai créé un service de l'économie sociale et solidaire pour faire en sorte que ces gens-là, qui ont des projets, eh bien, on les pousse, on les aide à monter leur entreprise. Moi, je suis très content quand un jeune a monté sa boîte, a monté son entreprise, a monté son emploi, parce que je sais que c'est un couple qui s'installe, qui peut payer son logement, qui peut avoir des enfants, qui peut vivre comme tout à chacun. Voilà, la discrimination, c'est aussi ça. C'est aussi ceux qui n'ont jamais accès à l'emploi, qui en crèvent et qui sont dans leur cité et qui n'ont pas d'autre solution que des fois le deal. Je vous remercie pour cette solidarité, pour ce témoignage. Je vous dis à très bientôt. Je pense que nous aurons l'occasion de nous croiser au prochain conseil municipal lors du vote de la motion de soutien à toutes ces victimes de violences psychologiques. Merci. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. À très bientôt.